7. La mesure est bonne, le disjoncteur passe le test avec succès. Dans les sous-sols de la station thermale de Gréoux-les-Bains, tous les équipements électriques sont contrôlés. Différentiel, appareil d'éclairage, prise de courant et pompe. La liste est longue pour ce bâtiment de 30 000 m² sur 3 niveaux. De mars à décembre, 35 000 curistes fréquentent cette station thermale de Haute-Provence, la troisième de France. Alors chaque hiver, l'établissement s'impose un arrêt technique pour assurer les vérifications périodiques réglementaires. La chaîne thermale du Soleil, propriétaire de la station, fait appel à APAV. Nous réalisons la vérification des installations électriques sur une durée d'environ 3 semaines, la vérification des systèmes triennales des systèmes de sécurité incendie, la vérification annuelle ou quinquennale suivant les cas des ascenseurs, les vérifications de thermique fluide notamment. Et nous réalisons aussi durant cette période le suivi de chantiers, que ce soit en CTC, contrôle technique de construction, ou en SPS. Ici, en pleine saison, jusqu'à 4000 personnes par jour peuvent profiter des soins thermaux et de prestations de remise en forme. Piscine, hammam, table massante, bain debout, au total plus de 100 automates programmables sont nécessaires à l'exploitation du site. La mission de contrôle électrique demande méthodologie et rigueur. Dans chaque loco, nous devons noter tout ce qui est récepteur, donc nombre de prises de courant, appareil d'éclairage, tout ce qui est ordinateur, machine, pour les thermes, les pompes. Nous faisons un test de différentiel, tout ce qui est continuité de terre, et c'est des blocs de secours. Le technicien du site corrige au fil de la mission les observations de l'inspecteur. Objectif, lever toutes les réserves pour permettre le redémarrage de l'exploitation dans les meilleurs délais. La collaboration est étroite et la satisfaction du client entière. J'ai toujours entretenu d'excellentes relations avec les responsables et avec tous les inspecteurs qui passent dans l'établissement. Donc il y a une relation de partenariat et de confiance. Une relation de confiance qui va au-delà des portes de Gréoux-les-Bains. APAV inspecte les 21 stations de la chaîne thermale du Soleil. Il était apparu nécessaire de mettre en place un contrat national sur les vérifications techniques réglementaires pour avoir une vision globale de l'ensemble des prestations réglementaires sur tous nos sites, harmoniser un peu les méthodologies de travail, la tarification. L'inspecteur électrique APAV continue sa mission de vérification. Grâce à lui, dès le mois de mars, les premiers clients profitent des installations en toute sécurité. Chaque année, la chaîne thermale du Soleil accueille en France 190 000 curistes conventionnés.